Walid, c'est quoi pour toi l'innovation? Qu'est-ce que ça évoque? Pour moi, l'innovation aide à anticiper les changements futurs. L'innovation, en fait, c'est faire les choses de manière très différente que personne n'a jamais fait avant. Ben, c'est assez simple. C'est la résolution d'un problème complexe avec une solution très simple. Et selon toi, alors, quel est le lien entre l'innovation et la curiosité? La curiosité est un état d'esprit qui permet de révéler des innovations. Question simple, réponse simple. Pour moi, pas d'innovation sans curiosité. Et donc, pour continuer sur l'innovation, en quoi est-ce que le design thinking est moteur d'innovation selon toi? Le design thinking est un catalyseur de solutions innovantes pour moi. Eh bien, je dirais que ça permet de créer un état d'esprit collectif qui va pousser les gens à connaître, à comprendre et à faire. Et donc, pour finir, Charles, en quoi est-ce que le design thinking a transformé la façon de travailler des équipes? Bien, en fait, c'est assez simple. Le design thinking a permis de faire tomber des barrières entre nous et nos clients et de créer avec eux une relation totalement privilégiée qu'on n'avait jamais connue auparavant. Pourquoi est-ce qu'il faut former tous nos nouveaux arrivants au design thinking? Eh bien, je dirais que bien que le design thinking est connu depuis très longtemps, beaucoup ont besoin de vivre une réelle expérience dans un contexte d'entreprise. Et finalement, Walid, dernière question. Pourquoi est-ce que le design thinking fait partie de l'ADN de SaaS? Le design thinking permet de mettre les clients au centre des intérêts pour trouver des solutions innovantes. Pourquoi pas? Je vous fais le best-of. Allez, on recommence.